Hey yo tout le monde, c'est Custy, on se retrouve enfin pour la vidéo des 200 abonnés, la vidéo que j'attendais tant, que je voulais tant mettre sur YouTube, et bah voilà, elle arrive. Alors je vais pas trop vous en dire, je vais juste vous dire qu'il y aura des compiles de kills Nautilus Blitzcrank, un tutoriel sur Nautilus Blitzcrank en bot lane, et des petits fails, etc. Enfin voilà, je vais pas trop vous en dire non plus. Il y a un gros bonus à la fin, vous allez voir. Et enfin, j'espère que vous allez kiffer tout simplement, et puis bah commenter la vidéo, aimer, et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour les remerciements. Allez, ciao et merci.
Donc voilà, alors on se retrouve pour le petit commentary, comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc ce que vous allez voir là, c'est tout simplement une des games que vous avez vu avant. Mais avant c'était juste la compile des kills, donc vous allez sûrement reconnaître les kills qui ont été faits. Donc en fait, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on a trouvé une compo avec Seryu. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un ami avec qui j'ai fait une vidéo où en face on avait une troll team qui avait pris full support. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est postée sur ma chaîne dans toutes mes vidéos. Donc voilà, donc on avait trouvé cette compo qui était Nautilus Blitzcrank en bot lane. Et en fait ça faisait tout simplement énormément mal. Alors je vais essayer de vous faire un mini tuto en même temps sur Nautilus, mais le souci c'est que comme il est en bot lane, ce serait pas trop intéressant, à moins que vous avez un ami avec qui faire cette compo là. Je pourrais peut-être à la limite un de ces quatre vous faire un dual commentary avec Seryu pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc là je vais tout simplement juste vous parler du stuff et des runes que j'ai pris, puis je vais vous commenter un petit peu la game. Alors je sais pas si je vais la commenter jusqu'à la fin, parce que je me rappelle plus combien de temps elle dure. Donc si elle dure 20 minutes, je vais essayer, faut que j'ai des choses à dire encore. Et si elle dure plus de 20 minutes, je la couperai, et puis voilà. Donc on était en botlane, on était une full team, hein, on était... il y avait Zach, un pote à Seryu, moi, Seryu, Serial Killer, un pote à Seryu aussi, et Win, un pote à moi. Donc on s'était tous regroupés, et puis on était partis en game comme ça, et on avait voulu montrer notre compo à tous nos potes, parce que c'est une compo qui marche très bien. Alors bien sûr, si on fait pas de fail comme Seryu vient de le faire, c'est vrai que des fois on trollait un petit peu. D'ailleurs il y a des games où on s'est fait complètement éclater à cause de ces fails. C'est franchement, c'est même si on se fait éclater, on se marre, c'est quelque chose d'horrible. Donc en fait Seryu lui reste dans les herbes, et moi je farm et j'essaye de grappe aussi un petit peu. Donc là vous venez de voir que il y a déjà le heal qui a été claqué par le carry AD, alors que je venais juste de grappe et de claquer mon passif sur la Sona. Alors je rappelle le passif de Nautilus, qui est à chaque fois que vous envoyez un coup blanc sur un ennemi, ça lui inflige des dégâts physiques supplémentaires et ça l'immobilise pendant 0,5 secondes. Donc bien sûr le même passif peut s'infliger sur la cible sur la même cible toutes les 12 secondes. Donc voilà, donc comme je viens de le faire, et là vous allez voir que voilà, la Sona s'est fait tout simplement éclater à cause du contrôle qu'on a. Parce que voilà, moi j'ai un grab qui me ramène au corps à corps, il y a le grab de Seryu qui est 3 fois plus grand. J'ai mon immobilisation par le passif, il y a le bump, donc le fait de mettre en l'air d'un des sorts de Seryu, donc, et mon ralentissement. Donc franchement, se barrer avec une compo comme ça, surtout au bot, parce que c'est des persos qui sont très fragiles, c'est assez compliqué. Alors vous me direz, le problème c'est que qui va être le carry AD? En fait ce sera tout simplement nous deux. Le but... quand vous faites une compo comme ça, c'est de faire en quelque sorte un rager ceux qui sont en face, et de gagner la game assez rapidement, ou de les faire sur end. Et en général ça marche. Donc voilà pourquoi on fait ça. Et puis franchement, si vous essayez, vous allez voir, si vous avez un pote sur Skype ou quoi, vous allez voir que c'est juste une compo énorme et qu'on s'éclate, mais c'est quelque chose de bien. Je sais pas comment vous expliquer, tellement c'est juste magique comment on se marre quand on fait une compo pareille. Donc en général, si vous jouez à peu près comme nous, c'est Nautilus qui aura la plupart du temps les kills, puisque c'est Nautilus qui fera en général le plus de dégâts à coup blanc en early game.
Mais après, le Blitz sera plutôt dégâts et le Nautilus sera plutôt tanky pour quand même avoir un tank dans la team. Donc au début, c'est moi qui vais récupérer le maximum de kills, vous allez le voir. Donc là, la Sona rentre dans les herbes et hop, Seryu grappe la Sona, donc un très beau grab. Et là, encore une fois, bah, elle se fait tout simplement éclater. Voilà. Et vous voyez que ce qui est bien aussi, c'est que non seulement moi j'ai des runes, donc je vais vous en parler après, j'ai des runes tank, mais en plus, en early, un carry AD ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc si vous ajoutez les runes tank aux dégâts que font les carry AD en face, bah, en fait vous prenez absolument rien. Et vous faites d'énormes dégâts puisqu'ils n'ont pas beaucoup de défense. Donc sachant que moi j'envoie des dégâts AP et AD en même temps, ils n'ont pas de counter. De choses pour nous counter. Là, il y a un beau fail grab aussi de Seryu. Donc voilà, donc c'est aussi ça qui est vraiment pas mal. Alors après, vous pouvez essayer aussi en solo top, mais vous allez voir que comme le mec sera en général tout seul, il va rester derrière sa tour et vous n'aurez pas de kill malheureusement. Donc je vais vous parler un petit peu des autres lanes. Donc au mid, on avait pardon, on avait Akali, donc de notre team qui était Zac et contre un Veigar. Donc ça c'est quand même assez compliqué à gérer. Puisqu'une fois que Veigar a farmé ses creeps et qu'il a un maximum d'AP, si vous n'avez pas votre linceul nébuleux, vous vous faites pre-shoot. Au top, on avait un Teemo en solo top contre un Sion. Alors c'est juste l'horreur. Un Teemo en solo top, je vous conseille vivement. Je vous conseille fortement d'essayer parce que c'est juste quelque chose d'horrible quand on a un Teemo en face. Le machin il vous harasse sans que vous puissiez le counter harasse et vous vous faites défoncer petit à petit. Vous voyez votre vie descendre et au bout d'un moment il va flash, il va vous claquer trois flèches et vous allez rien comprendre à ce qui va vous arriver. Donc en jungler, on avait Win, donc un pote à moi qui jouait Shyvana. Alors c'est vrai que Shyvana jungle c'est un très bon perso. Alors ça n'a malheureusement pas de slow pour venir counter, mais elle a quelque chose qui accélère sa vitesse de déplacement. Donc il suffit que vous-même vous ayez un slow ou une fatigue et vous pouvez faire de très beaux ganks. Alors là vous pouvez voir que il y a eu un très beau grab de Seryu sous la tour. Et moi, comme il y avait beaucoup de creeps, j'ai feign mon init, je l'ai claqué sur un sbire au lieu de le claquer sur la Miss Fortune. Donc du coup ça m'a claqué le CD pour rien, j'étais un peu dégoûté. Donc là je sais pas si on va se faire la Sona. Donc là je fail grab. Et lui aussi, c'était assez joli ça aussi. Mais on se marrait vraiment bien sur Skype, c'était juste magique. Alors oui, c'est sûr que les grappes, quand on les fait, on peut pas toujours anticiper où l'ennemi va être, puisque le but ce n'est pas de grapper sur l'ennemi où il est au même moment, mais essayer de grapper un côté, parce que en général, quand l'ennemi a peur, il va zigzaguer et donc vous saurez pas où l'ennemi va être quand votre grappe va partir. Mais ce qui est bien, c'est que là, on en a deux, donc il y a toujours un qui peut rattraper le coup. Alors là, je claque mon ulti, mais malheureusement le grab de Blitzcrank avait déjà été claqué. Et donc on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Donc vous avez vu quand même que l'ulti a mis quasiment midlife la Sona. C'est tout simplement énorme. Donc je rappelle quand même l'ulti de... Oula, je bug un peu. Alors là encore un grapp et là boum, on se fait le doubler au bot, tranquillou. L'ulti de... Ah, de Nautilus. Voilà, pardon, j'avais perdu le nom. C'est... En fait, il propulse un espèce de canon qui passe sous la terre et qui... En fait, vous ciblez quelqu'un et il y a une espèce de missile qui va partir sous terre et qui, au bout d'un moment, ça va arriver sur l'ennemi que vous avez ciblé et l'ennemi que vous avez ciblé va tout simplement voler en l'air et prendre des dégâts magiques. Et si, par exemple, d'autres ennemis sont en face de l'ennemi que vous avez ciblé, ils se prendront aussi l'effet... De votre grenade ASM, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'il Ah, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, je suis vraiment désolé, mais je sais pas comment l'expliquer. Ils seront bump aussi avant l'ennemi que vous avez ciblé, donc en gros, ça voilà, c'est un gros bump de zone s'il y a les ennemis qui passent dessus. Voilà, on va pas faire plus compliqué. Alors là, vous avez vu que
La Miss Fortune s'était mise derrière le Blitz, donc du coup quand Blitz avait claqué son grab, bah la MF était derrière, donc ça n'a rien fait du tout. Et là il y a Saryu qui avait tenté quelque chose de flash, de le mettre en l'air. Moi j'avais mon grab à ce moment-là et mon sort E, donc vous avez vu les énormes dégâts qu'on lui a calés. On fait du 8-0 déjà dans ce game. Moi je fais du 4-0, le Blitz du 3-0 et le Sion du 1-0. Donc en fait vous pouvez voir que nous pour l'instant on carry la game. Et bah voilà, c'est on carry la game avec du fun, donc on n'est pas là à se dire ouais qui farme les creeps, qui fait ça, qui c'est le support et tout ça. Non, nous ce qu'on fait c'est qu'on essaye d'avoir les kills au maximum. Et les creeps, bah on voit ça après, c'est pas notre priorité, puisque farm avec Blitz et Nautilus c'est pas trop ça. Donc voilà, pour l'instant, y a rien à dire, c'est juste une game épique. Là, il y a le Veigar qui s'est fait gank au mid. Alors, je ne sais pas s'il va mourir. Puisqu'on n'a pas la mise à jour des dégâts. Il y a Shyvana qui a flash. Voilà. Et qui a claqué un très beau sort E dans les herbes et qui a pris le kill. Hop. Là, on va se faire la Miss Fortune. On l'a encore une fois éclaté. Donc, la combinaison de l'ulti de Nautilus plus la combinaison de l'ulti de Blitzcrank, ça fait d'énormes damage. C'est. Ouais. C'est énorme, c'est tout. Alors, donc, je vais vous parler un peu du stuff. Donc là vous voyez que la barre est ici, on est à 10 minutes, donc à mon avis ça devrait durer à peu près 25 minutes, ouais à peu près quelque chose comme ça. Voilà, encore un très beau grab à l'aveugle de Seryu sur le troll, sur le trundle. Mais malheureusement il va s'en sortir. Donc ah oui, donc pour le stuff, alors vous commencez donc bien entendu le stuff de Nautilus si vous le faites avec la compo qu'on est en train de faire là. Vous commencez par des bots et 3 popos. Ensuite. Tout dépend de la team que vous avez en face. En l'occurrence, s'ils avaient pas mal de contrôle et pas mal d'AP, vous prenez des sandales de Mercure. Ou sinon des tabis ninja s'ils ont beaucoup d'attaque physique. Ensuite, alors moi, je ne sais plus sur quoi j'enchaînais. Réellement, je ne sais vraiment plus. Ouais, je crois que c'était bien sur un bâton séculaire, ouais. Donc après, vous faites, si vous pouvez, si vous avez des kills, votre baguette explosive. Et en gros vous allez enchaîner tout simplement sur un bâton séculaire. Voilà, qui vous donnera des PV et du mana pendant 10 minutes, ça vous en rajoutera en plus. Et ça vous donnera de la puissance. Au niveau des ruines, oui, donc j'avais dit troisième fois, faut que je le dise, que je vais en parler après. Sinon, oui, vous pouvez faire aussi un sceptre abyssal qui vous donne de la puissance et de la résistance magique. Vous pouvez faire un Égide de la Légion, donc ça vous donnera des PV, de l'armure et de la résistance magique à vous et à vos alliés. Donc c'est vraiment pas mal. Et un cœur d'or, mais ça c'est plutôt pour les junglers qui ne gagnent pas trop de PO. Tandis que là, si vous avez des kills, bah vous en gagnez. Alors voilà, encore un très beau grab. Et là, il n'y a même pas besoin d'ulti, elle s'est tout simplement fait démonter. Ça c'est Nautilus et Blitzcrank, une fois qu'ils sont feed. C'est juste énorme. Donc là je claque mon ulti, voilà, je claque mon ulti, je la grab. Et donc ça fait l'ulti qui la bump en l'air. Donc là regardez, moi je vais mourir. C'était trop beau, ça, la belle cache que je me souris. Donc l'ulti qui l'a mise en l'air, mon grab, Saryu avec son blitz qui l'a mis en l'air, son silence, 2-3 coups blancs, y a plus personne. Ensuite, une fois que vous avez votre bâton séculaire, donc oui, vous pouvez faire un sceptre abyssal. Ensuite, vous pouvez faire aussi un sceptre de relais pour avoir toujours des PV et de la puissance magique. À la limite, vous pouvez vous faire un grimoire néfaste pour avoir de la réduction délai, mais enfin, ouais, non, neuf. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein, mais j'ai pas encore essayé, mais je viens juste d'y penser. Mais il y a déjà vraiment pas beaucoup de CD sur les skills de Nautilus, donc ouais, donc non, n'en prenez pas. Désolé pour ce faux topo. Qu'est-ce que vous pouvez prendre d'autre? Ah oui, donc défense, santé. Parfois, moi je m'amuse à prendre une Warmog pour avoir vraiment énormément de PV tout en faisant d'énormes dégâts. Un présage de rendement aussi, donc c'est toujours ça, c'est un peu des items support pour avoir de la défense, etc. Mais ça, c'est ouais, c'est encore pour du support. Donc après le Nautilus, si vous avez les runes que j'ai, vous pouvez vraiment vous amuser à le jouer en AP. Voilà, encore une fois, j'en parle même pas des dégâts qu'on leur met, c'est tout juste impressionnant quoi. Ouais, enfin, je sais pas comment je peux dire ça.
Donc après le stuff, ouais, moi c'est généralement de l'AP et beaucoup de résistance et des PV pour bien tenir et faire d'énormes dégâts. Donc en fait les runes, bah, c'est tout simplement les mêmes runes, mais exactement les mêmes runes que celles que j'utilise pour Akali. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon tutoriel sur Akali, mais en fait au niveau, alors ouais, je sais pas par contre si je vais me rappeler exactement des couleurs, etc., de ce que j'ai mis, mais en gros, donc c'est de l'attaque, de la puissance magique, de la résistance magique et de l'armure. Donc en gros, vous avez tout en une page de rune, et en early, ça fait tout simplement bah, énormément de dégâts, comme vous avez pu le voir. Et donc de l'AD, bah, pour s'accumuler à mon passif. Ça fera vraiment pas mal de dégâts lorsque j'immobiliserai quelqu'un. Et si vous l'accumulez aussi à votre colère du titan, donc c'est un bouclier que Nautilus a, et qui augmente ses dégâts d'attaque et qui augmente un petit peu ses PV. Donc tant que le bouclier est dur, les attaques de base de Nautilus infligent des dégâts sur la durée et toutes les unités proches de sa cible. L'effet inflige 30 plus 28 points de dégâts magiques en 2 secondes et Nautilus s'entoure d'une énergie ténébreuse, ce qui le protège encore. Contre 80 plus 10% de ses PV supplémentaires, points de dégâts pendant 10 secondes. Alors j'ai pas trop compris cette phrase, mais c'est pas grave. Enfin bref, ça augmente ses dégâts. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des dégâts d'attaque dans ces runes. Et bien sûr, bah, de l'AP, parce que les skills de Nautilus sont surtout AP et ça fait vraiment très mal. Alors donc il y a plusieurs façons de jouer Nautilus, hein. Il y a comme je la joue moi en botlane avec Seryu un petit peu trop lolol, en jungler. Alors jungle avec Nautilus c'est juste énorme sur les ganks. Et en solo top. Alors en solo top j'ai pas trop testé, j'avouerai que c'est pas mon truc, mais bon, bah il faudrait que j'essaye, que je vous dise si ça marche. Donc bah voilà, on leur met du 13-2. Qu'est-ce que je peux. Pour l'instant, franchement, là, je sais plus du tout quoi vous dire. En fait, j'ai plus fait un tuto qu'autre chose. Je vous ai parlé, donc, il y a le grab, le bouclier, l'ulti, je vous l'ai dit aussi. Enfin, voilà quoi. Il y a de tout, absolument de tout. Donc, du 7-1, j'arrive pas à voir, il y a mes FPS. Bon, c'est pas grave, je fais du 7-1 quelque chose. Donc, voilà. Malheureusement, le joli flash de Veigar qui a fait fail le grab de Blitz. Donc bah je crois que je vais m'arrêter là, hein. De toute façon vous avez vu toutes les compiles des kills de cette game. Donc bah voilà, franchement je vais vraiment vous montrer ce que ça donnait Blitz Nautilus au bot, parce que c'est tout simplement magique et c'est, enfin vous avez de quoi vous éclater, ça je vous assure. Et bah peut-être qu'on fera un duel commentary sur Nautilus Blitz sur une bonne game avec Serious, si vraiment on en fait une bonne. Donc encore merci bah, pour ces 200 abonnés, hein. Je suis encore vraiment très heureux de les avoir dépassés. Donc continuez à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir, ça me donne envie de continuer mes vidéos. Ah oui, une autre chose, je joue en ce moment à Diablo 3. Ce qui fait que je ne sortirai pas tout le temps des vidéos sur League of Legends. Je ne sais pas si je veux faire une vidéo sur Diablo 3, je vais voir, je ne sais vraiment pas encore. Donc Diablo 3, c'est vraiment un jeu qui a été en attente pendant 12 ans. Et franchement, bah, on a bien fait d'attendre parce que le jeu est juste très très. Il est juste magnifique. Et c'est vraiment un très très bon jeu. Mais je vais pas arrêter League of Legends pour autant, je vais toujours continuer à faire des games et des tutoriels, ça vous en faites pas là-dessus, parce que je suis aussi avec la LOL French TV, donc j'ai les épisodes de trucs et astuces à faire. Donc bah voilà, j'espère que vous aurez aimé, que ça vous aura plu, que cette vidéo des 200 abonnés vous aura plu, que ma nouvelle intro vous aura plu. Ça m'a pris, par contre celle-ci m'a pris énormément de temps à réaliser. Et bah si vous voulez un tuto dessus, je verrai, je vais voir si je vous en fais un. Donc sur ce, bah c'était Custy, encore merci pour les 200 abonnés. Aimez, commentez, abonnez-vous si vous arrivez sur la vidéo, allez voir mes tutoriels. Amusez-vous bien sur League of Legends. Ciao tout le monde. Allez, on est parti pour le bonus. Donc juste pour vous expliquer un petit peu, c'est tout simplement une partie de Team Fortress 2. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu un peu comme Call of Duty, mais
Enfin, c'est pas du tout la même chose, vous allez le voir. Et j'ai fait ça avec des potes un matin. Et il y avait un de mes potes qui allait pas très bien, qui arrêtait pas de parler. Enfin bref, voilà. Et donc, bah, en plus, il y a des kills assez sympathiques et tout ça, il y a une bonne ambiance. Donc, bah, je vous laisse regarder ça. Et bah, j'espère que ça vous plaira. C'est juste l'histoire de marquer le coup. Allez, ciao tout le monde. Il me tue et du coup, là, je l'ai pas. Ok! Les gars, si, il y a un snipe qui rentre. Ouais, dans ouais, t'es derrière moi! Ok! Maman, connard! Ok, le doublé! Attention, ça reste le triplé! C'est bon là! Attention! Où est le triplé? Hey, mon man! Ok! Du moon! Oh god! It is an enemy! Ah putain! Je t'ai vu! J'ai pas vu! It is an enemy! Trop chaud à viser quand le mec il est en. Oh god, it is an enemy! Ah, mais attends tout, toi! Ah, en face à la tuer! Ah non, mais t'as envie de jump! Il y a de tous les spots, mec! Vas-y, Pierre! Prends des moments, tu prends spy, quoi! J'étais déjà en spy! Qu'est-ce que tu mens, maman? Ah, non, il était en spy! Non, je veux pas le savoir, ok, les mecs! D'accord, la meuf! Je pense que je vais le. C'est chez qui le. C'est sur le serveur ou pas là? Enfin le bout de malin. Ninja! Ok! On m'a fait décoller! Hello! Butterfly in the sky! Non mais vite s'il te plaît maintenant! Butterfly in the sky! Ah je vais peut-être la suite de Vincent s'il vous plaît! Butterfly in the sky! Oui! Oh maman j'étais en l'air depuis tout à l'heure! Ouais, je sais, et en plus j'ai essayé de te tirer dessus, mais. Oh! Ah! Oh. Ah, t'as kiffé ou pas, Sammy? Si, si. Butterfly in the sky. Le scout, il essaie de m'avoir. Le pommier. Ah, l'enculé. Ok, j'en connais un qui va monter pour moi là. Butterfly in the sky. Yeah. Oh, maman! Oh. Peut-être. Ah, mais y'a un scout dans notre. Oh! Oh, mais va-t'en, toi! Oh! Vincent, pour un peu, tu m'aurais eu. Non! 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 Oh, j'ai touché! Non! Go, God! God! Ok, vous êtes bien. Non! Putain, mais maman, mais toi! Ok, il s'est remis. Ah non, mais il peut pas. Tiens! Oh, il a fui comme une tapette! Non, non, c'est ce que tu crois, ça. Ouh, il t'a défoncé. Mais maman, mais vous êtes 4, il y a un espèce de. Maman, mais il y a un petit capté avec quoi. Eh, comment on peut rentrer dans le spawn ennemi? Oui. Bah ouais. Il y a un spy, il est dedans, il arrête pas de spawn kill. Butterfly in the sky, you can fly at twice, yeah. Ya. Voilà. Quand t'as dit ya, y'a un mec qui m'a shoot en même temps. Ouh, il a morté. Du coup, t'as cru que c'était moi. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok, lui, le chou, là, en face d'eux, là. Ok. Maman, mais... Il y a un mec, un snipe qui est apparu. Tuez-moi cet enfoiré. Connard. Et ok, les gens spawnent. Bon, oh, il est sérieux. Yo. Yo! 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 Mais tu sais qu'il est dans le. Tanana! Tanana! Merde! Tanana! 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 Oh my god! Tanana! Yeah! Tanana! Ouais! Et je l'ai pendant une semaine! Tanana! Tanana! Oh my god! Oh my god! En fait, si tu peux pas te déguiser, en gros, dès que tu prends l'air d'un mec, ben en gros, c'est chiant. Ouh, il a mort. Bon, il faut repousser l'invasion là. Avec des classes permettant de repousser l'invasion. Okay. C'est-à-dire le pyro. Il OS. Oh my god! D'accord, Vincent! Ah, le carnet. Ah, tu t'es fait défoncer. Mais j'arrête pas d'aller dessus tout à l'heure. Bon, on reprend le point là. Ah j'ai touché, ah ok j'ai tué avec ma... Ah okay. Attends Vincent c'est bon, tu as un médic, tu m'as fait. J'ai invisibilité. J'ai parce que j'ai... Pour me tuer, il faut me couper la tête.
suis invincible. Okay. Depuis des générations. Butterfly in the sky. Ok. Fly at twice. Wow. J'skiffe trop quand même. Comment tu as fait pour me suivre alors que j'étais en mode char? Ok. Parce que t'étais tout lent avec ton parachute. Ah bon, ta gueule. C'est quoi, on va faire plus simple. Attends, je vais aussi vite. T'es tué Samy ou c'était la Dead Ringer? Hein? Tu t'es tué ou c'était la Dead Ringer? Tu m'as tué. Ok, pourquoi évolution? Je tiens à signaler qu'on a un mongol sur Skype quand même. Policier. Oh non. Un mastiff là, c'est parti là. Ouais ouais, c'est bon, on dit tout là. Je suis un policier. Voilà. Ah shit. Ah putain. Genre il s'en sort. Butterfly. Ok. Ah ouais, c'est Lassie qui m'a tué d'accord. J'ai entendu ça. You are the bitch. Mais genre, je suis un policier. Mais je comprends pas, tu dis que c'est de la merde Atomis Flav. Atomis Flav, ok. Atomis Love. Non mais j'aime bien, défonce tout et tu dis que c'est de la merde. Mais le truc qui est bien, c'est juste que t'as pas besoin de faire tourner la sulfateuse avant de tirer, c'est juste ça hein. Elle défonce tout, bah parce que tu tires beaucoup de balles dessus. Ah biatch. Ouais d'accord. À trois fois que j'ai tiré dessus, je touche. Vincent, je te domine. J'aurais voulu. Ok, il va sortir son sniper. Go se rapprocher de son spawn. Ça c'est mauvais ça. C'est qui me tire dessus? Ouais, il est là-bas, je le vois. Il est au-dessus là. Ok. Aïe. Ok, enjoy it. Ok, t'es mort Camembert, t'es vraiment une merde. Mais au moins je domine quelqu'un. Tu domines personne. On va dire que si, toi tu domines personne par contre. Si. Oh non, je domine deux personnes, excuse-moi. Toi et Nawazaki. Putain, mais vraiment. Oh, arrête de jouer spy, tu fais n'importe quoi, les amis. Ça y est, c'est la faute à Samy maintenant. Hein. Mais. Ok, je peux pas faire du unscope. Non. Tais-toi, petite créature. Non, c'est la machina, hein, pas de unscope. Ok, c'est bon, ça m'a gavé. J'ai plus de balles. Ok, sandwich. C'est bon, Steve, je t'ai sauvé. Enfin, okay, pas, des, bah non, pas de ces deux-là. C'est pas grave. Oh, le sandwich. Trick shot. Ça fait trop mal, ça. Bon, moi je domine Samy. Moi, Vincent, je le domine encore. Hein. Il sait qui c'est son maître. Nous. Nous. Let me. T'étais où, Vincent? Tu l'as vu ce focus, Vincent? Ta gueule. Oh, je suis parti devant le spawn, il y avait pas Vincent, il y avait personne. Enfin, il y avait que d'autres. Mec. Non, mais Vincent, en fait, je suis arrivé et je les focus comme un bleu. You are dead! Bien. Ouais, je sais, ça. Normal, normal. La base, quoi, faut bien focus Vincent. Oh, mais lâche! Ok! Je focus tout le temps, elle est faible. La souris ne fait plus double clic, elle clique plus. Ah, les souris Razer, c'est vraiment de la merde. Hein. Mais c'est Alienware. Oh, shit. Hein. Ah, t'as Alienware ta souris? Bah oui. Ah, bon, c'est vraiment de la merde. Tu dis pas ça hein, d'habitude hein. Pour Alienware, si. Justement, c'est les Razer en fait que j'ai moi. Donc en gros, j'aurais pas dû dire ça avant. Ouais, t'es un peu con. Hein. Mais bon, Alienware, ouais, c'est du gros caca, on s'en fout, on peut le dire. Putain, il est beau notre spawn, les mecs hein. Ah là là, mais quel beau spawn on a. T'as kiffé ou pas, Samy? Putain, mais nous, ouais. Non, on a un gros mongol de spy là qui se met tout le temps en l'air là. Oh maman, lui là. You are dead. Not a big surprise. Ah biatch! In your face. Ah ouais, in your face, tu vas voir. Il va te cacher toi. Face boy. Ouais ouais. Oh toi. God. God. Tiens, ta gueule. Ah mais je pouvais pas te cramer. C'est normal, je suis trop puissant. Non, c'est normal, il est en train wallack anti-burn. Non, 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 mais non, I want to survive. Okay. Mais c'est un pyro. Voilà, bah de toute façon t'es mort. Est-ce que c'est un pyro, Steve? Ah bien. Ok. Bah non, moi je suis pyro, mais lui c'était un sniper. Ah bah j'arrivais non, pas à le cramer. Y'a que les pyros que tu et peux en pas. Fait, tu tires à côté de moi, y'a eu un lag. Ah ouais, c'est pour ça. Moi je suis arrivé. Lag. Coup de machette là. Moi je suis. Si j'étais bien sur toi et tout. Non. Ok, genre. Ah ok. Y'a une tourelle, d'accord. Machette. Okay. Oh god. Nooo. Ram, petite créature. Ok. Oh mais non, je vais mourir. T'es une merde toi. Putain. C'est bon là, tu m'as gavé. Oh, j'ai un vieux lag. Ah voilà, c'est bon. Vas-y, Pierre, t'es en spy ou pas? Bah, il gagne. C'est pas moi là, alors. Suis.
Non, je doute pas. Tu es celui qui s'appelle Camembert. C'est quoi ce truc qui vole là-bas? Maman, oh la lame. Je suis Van Helsing. Personne ne peut m'arrêter. Ah, je sais qui t'a pris, c'est vrai. Oh my god. Oh god. Putain. Oh, je suis défense. C'est même pas Hichem qui m'a tué. C'est bien surpris. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, putain. Qu'est-ce que tu foutais là, toi? Ok, Van Helsing. Ok, il y a eu un lag. Maman, aïe, aïe. Maman, mais toi. Aïe. Je suis un policier, ok. Mort comme une merde. Aïe. Oui. T'es pas mort. T'es pas mort. T'es pas mort. Aïe, 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 aïe. J'ai rien fait. C'est bon, moi. Oh. Je suis sage. Non, ah. Non. Ah, non. Donc, juste. Il y a un spy. Ah, il y a un addict. Voilà, il y a ton pote, Pierre. C'est qui? Non. PM. Il y a PMC, je sais pas quoi là. L'animus, yeah. Maman, mais. Il est où? Bah, SP, il vient de secours. Casse-toi, toi. MC Anonymous, Geeker et FR, rejoins la partie. Ok, mais maman, mais arrêtez de me tuer alors que putain. C'est bon, au moins, tu vois, il a servi à quelque chose, la Samy, il m'a tué. T'es une grosse pute. Ok, Nine. Je suis un policier. Vas-y, tu sais quoi, je me suicide. C'est pas Vincent, là, le médic, que j'étais en train de focus. Ah. Je suis Van Helsing. Mais tu sais que si on retourne, je t'aurais tué encore une fois. Je suis un policier. Déhouche. Oh, Kamehameha. Oh, genre ça fait une explosion. Ok, t'es mal toi. Ok, mais maman, mais. Mais j'arrive pas à. Ok, c'est bon, j'y vais là. Oh god. Oh, Camembert. Oh, je suis fait toi là. T'inquiète. Je suis fait toi là. Oh, j'ai des bugs de lumière, c'est horrible. Oh, GG, Samy combo. Après, tu dis que je suis un homme sexe qui sert à rien et ouais, tout, mais bon, quoi. Si tu fais ça une fois pendant toute ta partie. Bah, ok, il y en a plusieurs que j'ai tué. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Sierre. Yeah. PD. Maman, il m'a gavé ce scout à me focus, putain, mais va te faire foutre. Ah. 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 Normal qu'un mec ait tué son pote. Oh, comment tu sautes dessus, Pierre. Bonjour tout le monde, re pour certains. Bonjour, espèce de grosse pute. Et Van Helsing et action. Oh god, non, bah attends, Michel, t'es relou. Mais t'es dit, laisse-moi focus tranquille. Ah, il est dans votre team PMC. Ah, oh, je vais le focus. Mais dites-moi, est-ce que vous pouvez me dire sa classe, s'il vous plaît? Oups. Merde, Jordan, tu fais chier, c'est moi qui tue toute sa vie, quoi. Oui, d'accord, scoot, okay. Oui, j'ai mis une balle dans la tête. Mais... Vincent. Merci, Vincent. T'es quoi, Vincent, comme classe? C'est moi qui t'as mis tous les dégâts, pote. Ah, bah, je te focus plus. Je vais focus les scouts, moi, maintenant. C'est bon, là. Ah, c'est bon, toi, t'es mal. Mais maman! Ah, ok. On est comme ça, lui, vas-y, tu sais quoi, on va changer un peu de classe. Pour la première fois que j'étais sur. Ah, ok. Petite créature. Mais derrière moi, même pas il est sur le 1v1, quoi. Je te domine, Bias. Eh, vous êtes tellement useless là, 4 contre 2. Mais c'est toi qui est dans notre team, je te dis. C'est comme si t'aurais pu venir dans notre team depuis longtemps, mais. C'est toi qui a fait. Ah, recharge, recharge, recharge. Ah, bien joué. Merde. Yo, 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 go. Ce mec est vraiment un bon gueule. Ok, c'est bon. Coucou. C'est Real Creeper, c'est avec vous. Ouh. Ah, GG. Yeah, what do you want? J'ai entendu mon bouclier, mais j'étais pas sûr. En fait, si. Mais il est cheat le bouclier, putain. Ouais, mais je crois que je l'écoute pas. Shit. Je suis un policier. On a compris. Putain, on aurait dû craquer, mais c'est bon. Ouais, mais c'est bon là. Aïe. Ok. Qu'est-ce qu'il va me donner, ce Real Creep? Vincent, tu t'es dit quoi là? Attends, là, je suis en échange, là. Je suis en pleine transaction. Achète. Je suis. Ok, policier. Ah putain.
Mais... Wow, wow. Doucement, doucement. Ok, je vais manger à tout. Ah, j'ai eu un capot. Parce que je suis un policier. Horrible, j'ai vu. Eh, faut que tu domines quelqu'un qui l'a. Ah, bon, ben, merci. Oh, il veut me donner un chapeau. Le chasse-mouche du vagabond. Oh, la tête. Vachement. Toi, t'es la pupille. Lunette de griffin. Le masque le plus remorceau. Mais lol, mais tous les chapeaux qu'il a, une poêle à feu. Qu'est-ce que je trouve de ça? Putain, je peux me servir là, mais. Blanc. Aïe, aïe, aïe. Je suis un policier. Vas-y Pierre, on la marre. Bon. Ouais, moi je suis pas là. Hein. Aïe. Ah, c'est pas toi? Non, c'est pas toi, il attend pour moi. Attention derrière vous. Oh, mais... Mega Jump. Ah, c'est toi ça Pierre. T'as vu comment j'ai sauté sur la scie? Oui. Ah, mon cadavre il est sorti de la map. J'ai vu ça. Et ça, c'est parce que je suis un policier. Hein? Genre, on a échoué. Genre? Ouais, tu sais, on est marave et tout. Je suis un policier, ouais, on échoue quoi. Meilleur raid? Ok, le dealer de Nesquik il a été mieux que Vincent. Mais je suis en échange là, tu fais chier. Ouais, Vincent, t'es vraiment pourri.